Au Gabon, la justice traditionnelle repose sur des mécanismes de résolution des conflits qui privilégient la médiation, la réconciliation et la cohésion sociale. Elle s'appuie sur des règles transmises oralement par les aînés et appliquées par les chefs coutumiers ou les conseils de sages. Ces instances jouent un rôle fondamental dans la gestion des conflits ou même dans la sanction des comportements jugés défiants par la communauté. Cependant, intègre officiellement cette justice traditionnelle dans la Constitution comme dispose l'article 112, pose plusieurs défis. D'une part, le Gabon en tant qu'état de droit se doit de garantir l'égalité devant la loi pour tous ses citoyens et de respecter les droits humains. Or, certaines pratiques coutumières, comme les discriminations fondées sur le genre, en matière d'héritage ou de propriété, vont à l'encontre de la législation moderne. D'autre part, comment unifier des systèmes coutumiers très divers au sein d'un cadre constitutionnel unique, alors que le Gabon est un pays multiculturel avec des coutumes qui varient d'une ethnie à l'autre. Il serait difficile d'élaborer un modèle de justice coutumière qui réponde à la fois aux spécificités locales et aux normes nationales. Mais aussi la question de l'accès à la justice qui demeure un enjeu central. La justice traditionnelle, bien que largement acceptée dans les zones rurales, est parfois critiquée pour son manque de transparence et son caractère arbitraire. Si elle devait être constitutionnalisée, il serait nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle pour garantir que cette justice respecte les droits fondamentaux de tous les citoyens. En somme, l'intégration de la justice traditionnelle dans la constitution gabonaise soulève de nombreuses interrogations. Cependant, si elle peut être un moyen de renforcer l'appropriation de la justice par les populations locales et de préserver des pratiques culturelles, elle doit aussi être encadrée pour éviter de créer des inégalités et des conflits avec le droit moderne. Le défi pour le Gabon reste de trouver un équilibre entre respect des traditions et garantie d'une justice équitable pour tous.